Salut. Vous pourrez vous présenter devant la caméra pour savoir qui est qui. Salut, Marc le guitariste. Thibaut, bassiste chanteur. Salut. Du coup, une petite question, que signifie Dragval? Est-ce que déjà je le prononce bien? Ouais, c'est un des avantages, c'est une des raisons pour laquelle on a choisi le nom, c'est que Dragval ça se prononce quasiment dans toutes les langues facilement. Dragwald en anglais, Dragwald en français, en allemand pareil, Dragwald. Bon voilà, et en fait on voulait un nom symétrique, donc les 2D qui sont symétriques, les A aussi. Donc on a trouvé ça bien et on a vu effectivement que c'était une forêt dans Warhammer, mais c'est pas la raison pour laquelle on l'a choisi en fait. Oui. C'est que c'est une raison. C'est plus une raison esthétique qu'autre chose, ouais. Et que en fait la sonorité nous plaisait donc. D'accord. Mais du coup ça fait une belle coïncidence pour Warhammer. Voilà, après c'est le nom du groupe en fait est venu assez tardivement dans son existence parce que on a répété pendant un an quasiment sans avoir en fait de nom et on cherchait et puis enfin on est tombé là-dessus, ça nous a plu, on a fait vas-y go. Alors c'est on va dire c'est une évolution parce qu'en fait au départ quand on a commencé à jouer ensemble on était plus en fait à faire du folk metal un peu plus traditionnel en fait comme en fait beaucoup de groupes peuvent le faire aujourd'hui et au fur et à mesure des compositions qu'on jouait etc et de l'évolution naturelle qu'il y a eu au niveau du groupe on a commencé en fait à jouer des riffs avec des guitares un peu plus modernes avec des influences un peu plus death metal et en fait ça nous a vraiment plu comme sonorité. Et on voulait pas rester en fait dans ce cliché un peu folk metal très dansant où on avait en fait envie d'apporter une part un peu plus sombre en fait, un peu plus mélancolique à la musique. Et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui la musique qu'on joue elle est beaucoup plus sombre que ce que tu peux voir chez certains groupes comme je sais pas Corpse Clanny etc. Et avec justement des guitares beaucoup plus agressives avec une batterie qui va blaster etc. avec vraiment une dose de métal extrême et en fait des instruments folkloriques mais qui vont pas forcément en fait faire des mélodies dansantes mais qui vont être plutôt en fait dans des mélodies un peu plus mélancoliques et apporter en fait un peu justement ce côté un peu plus sombre à la musique. Ce qui est très drôle, c'est parce que tu dis que c'est pas que t'as pas pensé ça de manière dansante. Pourtant, tu vois, même si ta musique est extrême, je l'ai trouvé très abordable. Voir des fois, dansant, t'as certains passages, tu vois, où c'est un peu dansant. Oui, ça restera toujours plus dansant que du death old school. C'est évident, de toute façon, à partir du moment en fait, où tu mets une flûte ou une corde à muse, tu vas avoir un peu ce côté, effectivement. Mais ce qui nous intéressait, c'est de tirer, en fait, justement, cette partie dansante vers des points un peu plus extrêmes. Et effectivement, de toute façon, tu pourras pas détacher de l'image que tu as dessus, mais essayer de surprendre un peu plus le public en apportant cette dose de métal extrême au folk metal. J'ai pu voir aussi un peu l'histoire qui se cachait derrière votre album Riven Off, mais du coup, d'où est venue votre idée d'une humanité un peu dystopique, post-apo? Alors, en fait, très tôt en fait le groupe s'est éloigné on va dire des sujets traditionnels que tu retrouves dans le folk metal. Donc il y a énormément de groupes qui vont faire du folk metal viking etc. Nous alors effectivement je vais pas te mentir, au début c'était une influence, t'as quelques morceaux sur notre première démo, c'est clairement en fait dans cette idée là, mais en fait très tôt on a voulu séparer cette idéologie là et en fait de proposer notre propre univers et je pense que c'est assez actuel dans le sens où en fait aujourd'hui c'est compliqué de voir en fait un espoir dans l'humanité et qu'on voulait en fait partir justement dans une vision un peu dystopique de ce qu'on peut proposer en fait le futur de notre ère et je pense que l'écologie c'est un sujet très actuel et qui c'était justement en fait une raison qui nous a poussé vers cette pente, c'était de parler d'écologie en fait, mais plutôt en fait qu'est-ce qui se passe si l'humanité continue en fait dans cette direction, c'est-à-dire en fait à s'en battre les couilles de la nature et en fait à pourrir complètement la planète et dans 50 ans peut-être qu'en fait on sera revenu à l'âge de pierre parce que on aura tout détruit quoi et du coup c'est un peu un message d'avertissement que tu as derrière les paroles et l'idéologie que tu as derrière le groupe, c'est et je pense que ça va bien en fait avec le folk metal qui est justement en fait un style de musique qui est proche de la nature et que tu peux retrouver en fait pas uniquement en regardant dans le passé vers effectivement l'époque viking, l'époque celte etc, mais en regardant dans le futur en disant le folk metal les gars c'était pas hier hein. C'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de la nature parce que demain sinon il n'y aura plus rien à protéger. Pas très bien, ouais. En 2015 j'ai pu voir que vous avez été la première partie d'être différent sur une partie de retourner. Qu'est-ce que ça fait de rejouer entre guillemets avec eux lors d'un même festoche comme le Hellfest? Je suis pas persuadé qu'on les croise donc c'est tellement grand. Qu'est-ce que ça fait Je veux dire, tu vois que t'es sur la
quelque chose de faire leur première partie que de les voir sur une affiche aussi grande. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les groupes, on se dit pas on joue avec. Oui. On a joué au Hellfest en fait, on n'a pas joué avec Iron Maiden. Oui. C'est un peu différent en fait, comme alors que là, la tournée, on avait vraiment joué avec Ancipherum. C'est pas la même approche. Et disons en fait que Ancipherum, c'est pas le seul groupe aujourd'hui avec lequel on a déjà joué. On a déjà joué avec Minity, on a déjà joué avec The Walking Orchestra qui jouait juste après nous sur l'Altar. En fait, genre on les a croisés. Minity aussi, on a croisé Minity, on a croisé The Walking Orchestra et en fait des groupes avec lesquels on a déjà joué. Effectivement, Ancipherum, mais Ancipherum, vu qu'ils jouent le dimanche, il y a peu de chances qu'on les croise. On va peut-être les croiser effectivement à l'espace VIP s'ils y viennent, mais sinon, je pense qu'on les verra depuis la fosse quoi. Ah oui, du coup, même en fan. Ouais, je pense que je passerai peut-être les voir. Après, c'est vrai que c'est en même temps que Maiden, donc il va falloir faire un choix. Ouais. Le choix de trancher. Du coup, alors sur Hellfest, comment c'était à l'Altar justement ce matin? Ah, si, c'était génial. Ouais. C'était, on a eu la chance du coup d'ouvrir l'Altar. Donc c'est déjà en fait une putain d'opportunité qu'on a eue. Et surtout en fait d'ouvrir l'Altar avec un public au rendez-vous. Quoi. L'Altar était pleine. Et ça, c'était inespéré en fait à 10h30 d'avoir une tente. Autant de monde et on a gratté notre pied quoi, on s'est éclaté je pense que comme rarement quoi, c'était vraiment une super souvenir quoi. On était un peu tendu aussi hein, ouais, faut se le dire hein, faut pas se mentir, on était pas là en mode ouais c'est cool on a l'habitude, non on essaie d'être concentré au début et après ça a été on s'est libéré. Pouvoir sortir effectivement notre troisième album. Donc bah, effectivement on a un bon gros tiers de composition qui est déjà faite. On commence à réfléchir autour du concept, autour bah, de ce qu'on veut mettre dedans en fait. Parce que effectivement c'est une évolution en plus nous de notre côté. On n'a pas envie de proposer la même chose que Ravenhearst. Donc on vient en fait y ajouter de nouveaux éléments, une vision différente bah, de notre musique. Et du coup ouais ça a apporté son solo de nouveauté aussi. Ouais mais du coup vous n'avez pas encore un tableau précis. Alors, un minimum de pistes. Ah, sur la composition, oui, le thème, je sais pas si tu l'as. Sur les paroles qu'on en parlait, il y a des idées qui se profilent, mais en fait, c'est encore beaucoup trop tôt pour se dire de quoi ça a parlé. Donc, effectivement, on va continuer à exploiter en fait bah, un peu l'univers qu'on s'est créé, c'est évident, mais vraiment précisément, je pourrais pas te dire aujourd'hui. Ça marche, ouais, c'est vraiment l'état encore. C'est des. De naissance, on va dire. Complètement. Ça marche, ouais, très bien. Ouais, j'ai fini avec mes questions. Merci, hein. Ah, merci. De rien.